Ouais, les gars, on est mardi. Alors, comme je vais faire des nouveaux vlogs, bah, je me suis dit quoi de mieux que d'aller chez mon ami WeFix. Je prends des accessoires du coup pour cette histoire. On va voir. Comment vas-tu? Ça va, tu vas bien? Très bien, hein. Cool. Je vous présente mon ami Oussama. Et quel homme incroyable. Salut Oussama. Salut. Alors, je t'explique, je fais des vlogs maintenant. Ok. Pour ma chaîne YouTube. Ok. Et donc, je suis venu parce que je me suis dit déjà, si je fais des vlogs, il me faut des accessoires pour vlog. Et tu m'avais montré un matériel, je sais pas si tu l'as encore. Je pense que je ne l'ai plus. Dis-moi, est-ce que tu as de toute manière une batterie portable? Oui, bien sûr, j'en ai plusieurs. Parce que ça va me servir. J'ai tout ce qu'il te faut. Non, moi j'ai des Samsung, j'ai des beaux modèles. Voilà. Ah ouais, c'est petit ça. Ouais. Je vais te choper ça, si ça te va. Au lieu de 35, c'est 20 euros. Voilà, au lieu de 35, 20 euros. Comme ça, vous voyez, c'est une mini batterie, ça tient vraiment dans la main, entre deux doigts. Et je vais choper ça. Dis-moi l'autre truc, tu penses que tu vas en avoir d'autres? Parce que je sens avoir besoin. Ouais, je vais t'en commander. C'est ça l'efficacité. Ça, c'est WeFix. C'est Arcadie qui a dessiné ce magnifique logo. Arcadie, vous voyez aussi sur mes vidéos très souvent. Donc voilà, n'hésitez pas à venir chez WeFix et je vous montrerai le reste du matériel que je prendrai. Mais regardez. Même la présentation, elle est incroyable. J'ai envie d'acheter des trucs que j'ai même pas chez moi. 1-1 Arabie Saoudite, Argentine. Déjà que pour moi, c'était pas la Coupe du Monde, mais alors là. T'es dégoûté ou pas? Ah, quand même, frérot. T'imagines? Il est dégoûté alors qu'il est marocain. Hein. Quand l'Argentine elle joue contre le Black Star, c'est qu'il y a un problème. Les Marocains respectent plus Messi que l'Algérie. Que des gens de leur famille. Exact. Qu'est-ce qu'il a raté? Quoi, j'ai vu Maroc-Croatie à 11h du matin. J'ai dit non, frère. Non, les seuls qui vont pouvoir voir le match, c'est les mecs au chômeur. Quoi? Répète! C'est les mecs au chômeur. Ah, ça fout là, ça fait mal! Les mecs au chômage qui sont là depuis hier. Hein. Les allocs, ils arrivent direct dans le café, les allocations familiales. 11h du matin. Ah. Non, pas Maroc, Belgique, Maroc, Croatie, mercredi. Allez, il y a un deuxième but! Maroc, c'est bon. Ah, mais en plus, c'est qui l'entraîneur? C'est l'ancien entraîneur du Maroc, non? Ouais, c'était l'ancien. Donc, attends, stop. Il arrive à rien faire avec le Maroc, mais il arrive à battre l'Argentine avec l'Arabie Saoudite. Ouais, ils l'ont pas assez payé, frère. C'est incroyable. Wow, c'est un sale but, frère. C'est un truc de ouf. Lui, il va rentrer à la maison. Ses quatre femmes, elles vont le mettre bien. On vit ça en direct, c'est magique. C'est magique. Bon, ben, je crois qu'on est pour la Belgique. La Belgique va gagner. Incroyable ce qu'ils viennent de faire. Incroyable ce qu'ils viennent d'arrêter. Regarde ça, putain. Incroyable, frère. En fait, ils ont formé 11 joueurs à être à tous les postes. C'est la meilleure équipe du siècle. C'est l'Arabie Saoudite qui va passer. Et Messi va tchouler. S'il marque tout ça, il va se convertir à l'islam. C'est pas possible. C'est pas possible. Bon, ils sont plus forts que moi. Carrément, ils ont fait n'importe quoi. Frère, ils sont en train de rigoler, ils sont en train de se faire faire. C'est incroyable, ils sont à l'Agora dans leur quartier. Ils jouent contre l'équipe favorite. Et ils rigolent, ils essayent de faire des enroules. Ils ont même pas essayé de tirer. Lannister, les Lannister payent toujours leurs dettes. Il a élevé des dragons. Pour l'instant, c'est le meilleur match que j'ai vu de la Coupe du Monde. Ils veulent le trône de fer là, ils s'en bat les couilles de la Coupe du Monde. Quand vous allez voir Dalit Cartier qui porte des maillots Arabie Saoudite, vous allez rien comprendre. Ah frère, le mec, ils l'ont toujours pas relevé, il est mort, hein, je crois. Il a mis un de ses coups de genoux, c'est Maïra. Hein. C'est digne de Badrari. Combien de matchs sans perdre? 35, 36. Ouais, 35, 36 sans perdre et tu perds face à l'Arabie Saoudite. Ça me rappelle tous ces gars qui ont deux barres pleines, de meufs incroyables et puis ils se marient avec une meuf dégueulasse. C'est Shaolin Soccer, ils ont cloné des Bnadim. Ouais, mais ça ils l'ont ramené, ils savaient pas lui donner quel nom pour faire genre. Ils ont dit, les gars, j'ai un nom incroyable, quoi? Le nom du pays? Ah, Saoud sort, Qatar rentre, je dois aller travailler normalement. J'ai mon collègue qui m'attend. Ah merde, il a pas les clients, je crois. Il doit avoir un peu froid, c'est tout. C'est juste vite fait, quoi, c'est pas ouf. En tout cas, il aura moins froid que l'Argentine ce soir. Mais quel gardien! Ils ont des pouvoirs, ils ont des pouvoirs. Ils vont gagner la Coupe du Monde, après on va savoir qu'ils sont dopés et tout. Oh, l'Arabie Saoudite a gagné contre l'Argentine. Eh, tu vas bien, Souli? Tu vas bien? Bon, les amis, moi je vais au travail, ce fut un plaisir. À bientôt. Tous. Il y a le Black Friday qui approche.
En fait, je suis en train de construire un petit coin chez moi pour les vidéos YouTube, pour les streams, parce que je vais reprendre les streams. Et donc, du coup, je vais aller voir un peu à la Fnac s'il y a des choses intéressantes ou pas. Mais dans tous les cas, il faut que je construise ce setup, ce décor. Donc, vous aurez ça bien sûr en vidéo. Vous verrez un peu l'avancement, toutes ces choses-là. En espérant que ce soit un truc beau gosse. Donc, il y a plein de choses que je dois acheter, un bureau gamer, un siège. Enfin voilà, micro, caméra, parce que j'ai prêté des choses à des gens qui en ont encore besoin. Je me permets de racheter toutes ces choses-là. Donc ça va être fait très bientôt. Et là, on est mardi, ce vendredi, c'est Black Friday. En Belgique, on n'a pas des offres de malade et bien souvent, ça commence déjà toute la semaine. Et puis les prix, ils évoluent pas plus que ça. L'année passée, j'avais acheté ma télé qui est incroyable. Je l'avais acheté, je sais plus à combien. A été descendu de 400€, un truc comme ça. Et je venais de déménager, donc ça tombait bien. Et donc voilà, là, je vais voir la Fnac un peu ce qui est intéressant. Je vous dis tout à l'heure s'il y a un truc sympa. Pour l'instant, c'est des trucs à moins 200, moins 100. C'est pas des offres de ouf, là. Ils sont de 1218 à 1018. Mais voilà, c'est que bien souvent, la Fnac en Belgique, elle s'en bat les couilles un peu de nous. Genre, je vois des offres de ouf sur la Fnac.fr. Il suffit d'aller voir sur le site. Si vous allez sur le site de la Fnac, vous allez dans les Blu-ray. Regardez toutes les sections avec des trucs genre 3 Blu-ray, le deuxième, enfin le quatrième gratuit ou des trucs comme ça. En Belgique, c'est souvent, il y a que dalle. Ils s'en battent les steaks de nous. Du coup, là, ils font des 1 plus 1 gratuits. Par exemple, on va voir, c'est quoi le prix? 24,99€. Donc en gros, si j'en prends 2, si je fais diviser par 2, ça me revient à 25 divisé par 2, 12,50€ le Blu-ray 4K. Bon, on va dire que ça va. Mais il y en a qui m'intéressent, comme par exemple l'Odyssée de Pi. Celui-là, il m'intéresse. Donc ça peut être sympa, 1 plus 1 gratuit. Du coup, j'ai reçu aussi mon numéro professionnel. Du coup, il faut que j'achète un iPhone. Moi, je suis team Samsung, mais là, il faut que j'achète un iPhone pour mon numéro professionnel parce que, un, ce sera plus facile. Ça me permettra de pas trop toucher à tout n'importe quoi comme je ferai avec un Samsung. Et puis, la deuxième chose, surtout, c'est la meilleure qualité pour filmer pour les réseaux sociaux, notamment Instagram, TikTok et tout ça, et vous donner des vidéos un peu plus intéressantes sur ces réseaux-là. Mais donc, il faut que j'achète un iPhone. Je vais acheter pas mal de choses lors du Black Friday, pas parce que je suis riche, mais tout simplement parce que je fais des paiements par mois à 0%. Donc, c'est ça mon secret pour avoir un milliard de trucs chez moi. C'est que j'ai, mais je les ai pas encore payés. Un iPhone pour ça. Puis, il y a quelques gadgets du genre une lumière, enfin le truc chez Wifix là que je cherchais. Puis le reste pour mon setup, pour mon décor YouTube, donc on verra bien ce qu'on va faire. Mais du coup, je regarde aussi, peut-être chez Fnac, je sais pas s'ils font 0% en plusieurs mois. Je sais qu'en France, ils le font, encore une fois, la France, pas sûr chez nous. Donc je vais check. Et là, je viens de découvrir les montres fossiles, je connaissais pas du tout. Chez Fossil comme ça, franchement, elles sont belles. Hein. On va avoir une montre connectée qui est un peu plus stylée. Et les prix, ça va. Hein. Par rapport aux montres connectées d'habitude, celle-ci, elle passe flex. Et en plus, c'est Google, donc en soi, ça peut le faire. Hein. Voilà, j'ai eu ma réponse. Donc apparemment, c'est le cas. Fnac fait aussi ça, c'est dimensionnalité maximum pour avoir 0%. Si on fait plus de dimensionnalité, ben, y a des intérêts. Fnac le fait également. C'est pas marqué vraiment partout. Du coup, peut-être que j'ai vu que l'iPhone 13, là, il est en Black Friday. Que peut-être que je vais le choper. Je vais un peu voir partout c'est quoi le prix. Mais d'après ce que j'ai vu là-bas, il était à 850, je crois, un truc comme ça. Pour avoir un iPhone dernière génération bien filmé, être sûr d'avoir des vidéos quali, surtout pour filmer mes statuts de fou. Je vous montre 149 au lieu de 909. Après, il faut voir sur Internet ce que ça dit, si c'est la réalité ou pas. Aller vers le 14, même si on m'a dit que le 14 par rapport au 13, c'est pas vraiment différent. Peut-être que je passerai ici si je vois que, bah, par exemple, au Cora, là où j'ai ma carte à la base 0%, il n'y a rien de spécial, bah, je viendrai peut-être ici pour choper des articles un peu plus intéressants, puisque Cora n'a pas toutes les marques. Le truc, c'est tu peux choisir 3 mois, 5 mois ou 10 mois pour payer ce que tu veux payer. Tu as droit de cumuler plusieurs objets et ça peut aller entre 300€ et 5000€. Donc, si maintenant tu cumules plein d'objets et que ça te fait un certain montant, imaginons 2000€, bah, tu peux choisir de le payer en 10 mensualités, ce qui ferait des mensualités de 200€. Mais je vais prendre le temps de bien vérifier et les objets individuellement ne doivent pas avoir un prix minimum. Donc si maintenant dans tout ce bordel j'ai envie de placer une collection entière de One Piece, bah je peux le faire. Donc voilà. Ah oui, je tiens quand même à dire ça parce qu'il y a des gens qui regardent mes vidéos, il y a peut-être des plus jeunes et qui disent oh putain c'est un truc de fou. Voilà, donc déjà il faut avoir une carte d'identité et une carte de banque. Et je vous conseille d'avoir un boulot aussi parce que du coup il faut être sûr de pouvoir rembourser parce que certes c'est à 0% en intérêt, si vous payez pas ben les intérêts vont arriver, donc il faut être capable de payer. C'est pour ça que bien souvent moi ce que je fais c'est que je diminue les mois, comme ça c'est très vite réglé. Bien souvent avant les 3 mois j'arrive à rembourser ce qu'il faut rembourser, donc ne pas jouer avec ça parce que certes c'est à 0% mais on peut se trouver très vite dans la merde. C'est pas aussi rempli qu'avant quand il y avait quelques trucs de bouffe. L'époque a changé, internet nous a montré où on pouvait aller manger d'autres. Là maintenant je vais chez Tremplin Isbel, donc ceux chez qui j'avais été expert manga sur un festival d'expression artistique pour les jeunes. J'avais été expert manga, j'avais également mes jeunes du théâtre et mes jeunes de... comment ça s'appelle ?
mes jeunes de théâtre et mes jeunes de la danse qui avaient été, qui étaient dans le festival. Et là, du coup, cette année, c'est pas moi l'expert. Comme j'avais expliqué dans la vidéo précédente, c'est mon pote Valentin. Mais du coup, là, je vais aller pour qu'on discute des modalités de mon contrat pour que je sois éducateur en chef sur les camps ou, enfin, et également sur les d'autres moments où il y a les jeunes. Bon, voilà, là, je sors de mon entretien, du coup, avec Tremplin. Voilà, je serai coordinateur des responsables de groupe sur Babel. Et puis, voilà, j'ai quelques dates, du coup, en février, mars et mai. Et je sens que ça va bien se passer. Hein. Je montrerai les morceaux des pièces de théâtre, probablement, qu'on aura créées avec mes jeunes. Parce que mon travail principal, c'est éducateur artistique en santé mentale. Et j'utilise, du coup, l'art pour éduquer, pour aider, pour un peu tout. Donc théâtre, rap, cinéma, etc. Donc voilà. Et puis je vais aller voir mes parents et puis je vais rentrer chez moi puisque depuis ce matin, ils s'étaient occupés à désinfecter tout l'immeuble par rapport aux punaises de lit. Et là, je vais enfin pouvoir retrouver mon chez-moi et peut-être jouer à God of War. À mon avis, oui. Sauf si je suis trop fatigué parce que le réveil de ce matin était hardcore. Mais il faut que j'aille voir mes parents parce que ça fait une semaine, je crois, je les ai pas vus. Et donc voilà, ça me fait plaisir, ça va leur faire plaisir. Et puis la DAR, je reçois ma prime de fin d'année aussi, parce que je vais utiliser ma prime de fin d'année pour payer ma taxe de roulage, parce que oui, j'ai acheté une voiture, et ou du moins j'ai repris une voiture, je l'ai pas acheté pour l'instant. J'ai repris l'ancienne voiture de mon pote Yves, que vous voyez dans les vidéos, et le truc c'est que j'ai pas encore de permis, j'avais mon permis provisoire, 3 ans, puis je devais acheter une voiture pour justement apprendre dessus et faire mon permis. Il y a un gars qui m'a arnaqué mon argent, 1 500 €. Ce mec, il a disparu et voilà, il m'a laissé une voiture en piteux état. Et puis après, j'ai refusé la voiture et puis le temps de le revoir pour choper l'argent, il avait disparu. Je soupçonne qu'il est peut-être en prison ou si j'ai un peu de chance, il est mort. Du coup, j'ai pas pu faire mon permis à cause de ça. Mais ensuite, il y a le Covid qui a frappé. Donc là, pour refaire mon permis, j'ai droit à refaire une demande de permis provisoire. Je dois refaire mon théorique et je dois faire 6 heures d'auto-école pour pouvoir récupérer un permis de 12 mois. Donc là, maintenant, j'ai la voiture. Je dois juste recommencer toutes ces étapes-là pour avoir enfin mon permis. Donc là, j'ai une voiture, mais pas de permis.